S'éloigner de la côte, c'est aller à la rencontre des sources d'eau chaude. Dans l'environnement de ce centre thermal, c'est une surprise de redécouvrir le croquet, ce jeu inventé en France, très populaire à la cour d'Henri II et Louis XIV. Il était encore pratiqué par les familles, sur les plages l'été, il y a une cinquantaine d'années. Il a maintenant complètement déserté la France pour envahir les pays anglo-saxons. L'équipe nationale néo-zélandaise se classe au troisième rang mondial. Le croquet, discipline olympique en 1900 à Paris, a été le premier sport permettant aux femmes de participer à une épreuve olympique. Wakare Wawera abrite environ 500 sources d'eau chaude alcalines et au moins 7 geysers toujours actifs. Le plus connu est Powhutu, signifiant la grande explosion. Dans le sous-sol, l'eau des imposants réservoirs d'eau souterraine est chauffée au contact de la roche. Cette roche est chauffée soit directement par le magma, ou soit indirectement par l'action du gradient géothermique. Dans ce cas, la température et la pression augmentent avec la profondeur. Lorsqu'une forte pression est atteinte, l'eau chemine par de fins conduits pour jaillir à la surface par un orifice étroit. Ceci explique pourquoi le geyser de Powhutu rentre en éruption seulement une fois par heure, avec un jet dépassant les 30 mètres de hauteur. L'école de sculpture sur bois s'est fixée dans le parc de Wakare Warewa. Les artistes utilisent depuis des siècles le bois du totara, arbre atteignant 50 mètres, au bois rose-rouge très tendre, mais aussi très résistant. Les ancêtres pouvaient le travailler aisément, faire leurs pirogues à l'aide des premiers outils en pierre. On le trouve dans toute la Nouvelle-Zélande. Sa belle stature l'a fait passer dans la conversation courante. Quand une personne marquante décède, on dit qu'un éminent totara vient de tomber. Les femmes réalisent avec les fibres du harakiri des sacs et de jolies parures. Les fibres de ce harakiri sont particulièrement résistantes. Elles peuvent être utilisées comme un lien solide dans la construction en fixant et consolidant, par exemple, les éléments d'un échafaudage.
Fresh water. We'll never miss the one till the well runs dry. Suppose you get a broken heart, then how would you feel? You'll never miss my kisses till we kiss goodbye.